quelqu'un qui se crée une fausse adresse, hein. Ouais. C'est pas pour ça forcément. Les noms que tu as, les personnes avec qui tu... Bah, tu sais, tout ça circule sur Internet, donc si quelqu'un se donne la peine vraiment de chercher, il trouve, hein. La meilleure protection ne tient pas contre un hacker décidé. Hein. Bon, on peut plus qu'il trouve à l'intérieur, en fait. Ben, il suffit qu'une personne demande un hameçon, qui parvient à la plumée, hein, il a fait son beurre. Hein. Bon, ben, il y a différentes façons. Hein. Regarde les personnes qui communiquent bien leurs coordonnées bancaires, soi-disant suite à un email de leur banque, alors que les banques n'arrêtent pas de répéter qu'elles ne demandent jamais les codes PIN ni quoi que ce soit par Internet. D'accord, mais en envoyant des trucs à toi, je vois pas ce que ça peut lui raconter. Je reçois parfois aussi des emails, hein, soi-disant de personnes que je connais me demandant est-ce que tu peux m'aider financièrement ou des choses comme ça. Oui, ça c'est. Eh bien oui. Eh bien, tu as des personnes qui vont réagir positivement, qui vont envoyer de l'argent. Donc, ça leur rapporte de faire ça. Et ça sent, tu veux bien, c'est comme ça. Essayer de comprendre ce que je te dis. Je comprends très bien, ils demandent d'argent et tout, mais pas des photos à toi, c'est pas ça qui va leur non, mais on a débordé de ça. Oui, mais bon, c'est pas grave, hein, peu importe. Tu m'as demandé comment c'est possible que quelqu'un emploie ton adresse email. Pour faire ça. Et tu m'as demandé quel intérêt. Eh bien, j'essaie de t'expliquer. Non, quel intérêt. Pas dans le cas d'elle. Non, mais c'est pour ça que je t'en parle, parce que ça me tourne un peu. Effectivement, moi, je n'inonde pas les gens. En plus, je suis vraiment inondé, hein, je te dis. Ben non. J'en veux bien 15. Ah oui? Eh bien, oui, j'en ai mis. Une bonne quinzaine sur YouTube. Eh bien, voilà. Sur YouTube. Eh ben, et c'est tout. Donc, et, puis je mets, je mets ça sur le forum d'Asia, dans mes topics à moi. Mais c'est tout, je n'envoie pas ça. Oui, les personnes qui veulent les consulter, eh bien. Il y a un lien entre YouTube et Google Plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah ben oui, et YouTube a été racheté par Google. Hein. Et comme je fais partie de tes connaissances. Oui, oui, mais enfin, n'empêche, en principe, ça n'envoie pas automatiquement. Ça normalement, ça n'envoie pas. C'est bizarre, ça. Mais non, on verra si quelqu'un d'autre de la famille le reçoit. Hein. Parce qu'en plus de ça, l'ordinateur, cet ordinateur-là, je ne l'ai pas utilisé ben, normalement pendant plusieurs jours parce que le disque SSD Windows était mince. Donc, c'est seulement quand est-ce que j'ai refait ça. Oui, il y a 2-3 jours en maximum. Top cela. Ah bon? Au truc de brave. Hein. Non. Je sais bien qu'on est des lointains bâtards des de brave enfin. Ah bon, non. Non. Oui, c'est mauvais. C'est mauvais. Hein, je ne le fais pas souvent. Bonjour, Doc. Oui, oui. Oui, bon, j'ai trouvé plein de concerts sur Internet. J'ai enregistré aussi bien en audio qu'en vidéo. Et quand je pédale à l'intérieur, notamment, hein, je mets ça. Des concerts ouais, de Pablo Block, des Kings, je pédale, Pink Floyd, tout ce qui s'en suit. Je pédale et je mets des musiques. Bon, je mets des playlists. Moi, je préfère mettre des vidéos parce que alors je me concentre sur l'écran. J'évite de regarder continuellement le compteur. Ah non, on voit pas parce que je change de position. Je mets une minute guidon, une minute comme ça, et une minute droit. Et puis une heure comme ça.
Ouais, ben ça l'a...